Bonjour. Oui, je regarde mon jardin par cette fenêtre. Comme elle est transparente, l'image du jardin est claire. Mais c'est pas comme si je voyais directement, non plus à travers une vitre, mais sur place. Je suis comme ça. J'aime voir les choses clairement, directement. Dans la vie de tous les jours, j'aime que les choses soient claires, sans complications, sans intermédiaires. J'avoue que je n'aime pas les enchevêtrements, les choses qui ne sont pas simples, évidentes et qui suscitent le questionnement. Oui, le questionnement. Faut bien l'admettre, c'est une réalité de tous les jours. On ne peut pas vraiment y échapper. Bien des sujets surgissent à propos de bien des situations jour après jour. Des accidents, la maladie, les relations difficiles entre les personnes et parfois même entre nos proches. Je pensais justement à ça l'autre jour, lorsque j'ai ouvert ma Bible et le passage sous mes yeux disait ceci. Aujourd'hui, nous voyons comme à travers un miroir, mais de manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Cette traduction plus récente parle d'un miroir, mais une traduction plus ancienne parle d'une vitre, comme cette fenêtre peut-être. Après avoir lu ce texte, je me suis mise à rêver. Et à rêver à ce qu'on affirme. Un jour, nous verrons Dieu face à face. Nous le connaîtrons comme nous sommes connus de lui. Je pense que j'ai raison de parler de rêve, parce que c'en est un beau rêve. Un rêve qui exprime une réalité absolument extraordinaire. Celui qui dit, c'est Saint Paul, qui n'était pas un rêveur de nature. Il écrit ses paroles dans une lettre adressée aux chrétiens de Corinthe, qui eux non plus n'étaient pas vraiment connus comme des rêveurs. Ces gens-là ont mis leur foi dans cette promesse. Ils ont misé leur avenir sur ce rêve-là. Alors je me dis que si eux se sont fiés à ce message, alors je peux bien en faire autant. Et vous aussi, si vous osez le faire.